Eh bien, c'est la même chose. En réalité, les classes B et les classes S sont fabriquées tous les deux selon la norme EN13060. Alors, quelle est la différence entre un B et un S? Eh bien, c'est la norme qui définit le type d'instrument, qu'on appelle des corps, que l'on peut stériliser avec un classe B, et en général, on peut stériliser tout type de corps. Poreux, textile, emballé, non emballé, plein, etc. Pour les autoclaves de classe S, par contre, ça n'est pas la norme qui définit le type de corps d'instruments qu'on peut stériliser avec, mais le fabricant. En réalité, techniquement, ça revient à peu près au même et les résultats sont les mêmes. Les deux classes d'autoclaves passent les mêmes tests, Helix, Bowie & Dick, les qualifications opérationnelles, toutes ces choses-là, et surtout au quotidien, un autoclave performant, qu'il soit B ou qu'il soit S, vous garantit de travailler dans de bonnes conditions. Si vous deviez acheter un autoclave aujourd'hui, allez plutôt sur un classe B, ce sera plus simple, vous aurez tout de suite un autoclave conforme à l'ensemble des instruments qui sont stérilisables selon cette norme européenne. Si vous avez par contre encore aujourd'hui un classe S, qu'il est performant et qu'il fonctionne bien, eh bien rassurez-vous, continuez à l'utiliser, vous travaillez dans de bonnes conditions. Voilà, à très bientôt à tous, n'hésitez pas à me poser vos questions directement en messagerie et bonne soirée.